Wat betekent familie voor mij? Veel dingen. Alles. Is te zeggen, dat is de kern van het geluk. Pour moi, ce sont des personnes qui sont présentes dans ton environnement et sur qui on peut compter. Dat zijn gewoon mensen die je accepteren zoals je bent. Weet je, ik denk dat mensen gewoon veel verschillende manieren van familie kunnen hebben. Ik vind een gemeenschap pas sterk als je daar je individualiteit mag volledig omarmen en houden. Als je je eigen natuurlijk moet beginnen veranderen voor bij die gemeenschap te passen, dan is er eigenlijk al iets toxisch aan. Ik voel me wel echt nog steeds heel geprivilegeerd dat mijn ouders mij uiteindelijk wel accepteren. Maar ze zijn niet altijd begrijpen, maar goed. Bruxelles, c'est un lieu que je me sens plus en sécurité. C'est des choses en fait que j'avais du mal à le faire en Ouganda ou au Burundi. Le fait que, enfin, il y a des lois qui m'ont incriminé carrément. J'ai envie d'être la personne que j'ai envie d'être en fait. Soyons qui nous sommes et assumons-le. Pour moi, la famille, c'est vraiment un truc que j'ai construit sur le tas. Les amis peuvent devenir des membres de notre famille. Une famille arc-en-ciel. C'est un terme que j'apprécie évidemment parce qu'elle regroupe voilà, différentes configurations de famille. Pour moi, famille, c'est echt. Dat maak je zelf. Ik ben opgegroeid in een Marokkaans gezin dat in de jaren 60 uit Marokko is gekomen. Ik was de jongste van 8, maar ook de jongste zoon en mijn 2 oude broers schelen 16, 17 jaar met mij. Dus ik voelde ook wel enorm veel druk dat ik zo de goede, vrome zoon moest zijn. Nou, ik kom uit een familie met 4 kinderen. Een warme familie, maar wel ook een heel conservatieve familie. Als oudste was dat niet altijd makkelijk. Ik heb echt best wel heel veel gerebelleerd om dingen te mogen en te kunnen doen. Dit is in de 3e kleuterklas. Dit is de lambada. Die was ik aan het dansen toen met een meisje in mijn klas. Ik heb hier, deze leeftijd was ik nog niet echt bezig met anders te zijn, omdat dat denk ik ook door de omgeving nog werd gezien als schattig of zo. Zo van, oh, dat groeit er wel uit. Ik had toen ook nog niet door dat mensen lachten altijd als ik zo dit deed bijvoorbeeld. Maar toen nam ik dat lachen nog niet als iets negatiefs. En nu heb ik dat ook teruggeleerd. Dat is eigenlijk een mooie eigenschap, dat je mensen kan laten lachen. Mijn tienertijd was vooral heel complex, omdat ik diep van binnen eigenlijk al heel jong wist wie ik was. Maar natuurlijk opgroeien in een omgeving waar de homoseksualiteit niet bestaat, weet je eigenlijk gewoon dat je de hele tijd een rol moet spelen. Dus je zit de hele tijd gewoon een soort versie aan het spelen van jezelf die als hetero kan overkomen. Heel veel mensen die worden door een nuclear family, zeg maar, gewoon een familie, niet aanvaard of niet geaccepteerd. Dus ik denk wel dat gewoon heel belangrijk is. Dat je je eigen familie creëert en ja, dat je dat veilig voelt en dat je daar kan zijn wie je wil zijn. J'ai grandi au Burundi jusqu'à mes 14 ans. Moi, j'ai quitté le Burundi parce que le Burundi, quand je l'ai quitté, il y avait des problèmes d'instabilité politique, sociale.
C'était une période où un gouvernement tuait la population, surtout les jeunes. J'ai perdu des amis, des personnes de la famille. Peut-être que c'était moi qui étais le prochain. Mais mes parents, en fait, ont fait que je quitte, enfin, que je pars avant que les choses graves m'arrivent. En fait, ils ont dit, enfin, toi, t'es vraiment différent et tout ça. Du coup, ils pensaient pas que je pouvais survivre dans ces périodes-là. De reactie van mijn familie was vooral heel veel liefde, omdat ze ook gewoon bezorgd waren. Maar die bezorgdheid heeft overgenomen omdat ze vooral bezig waren met wat mensen gingen zeggen. Omdat natuurlijk in de Marokkaanse gemeenschap, zoals ik die heb gekend, was er enorm veel sociale controle. Dus het was vooral bezorgdheid over wat mensen gingen zeggen. Quand on est deux papas avec un enfant, sans qu'on soit militant dans l'âme, on est perçu parfois de façon différente. De façon positive hein, ou non. Mais par l'histoire de nos enfants, est très clair. Hein, il n'y a rien de caché, on explique tout, comment ils sont venus au monde, d'où venait notre projet de vouloir des enfants. Donc les choses sont très très claires. Elles ne sont pas toujours très claires pour les autres. Et donc il peut y avoir effectivement une remise en cause eh bien, de la filiation, et c'est quelque chose qui est très, très blessant, hein. C'est très intime. Tu vois, lorsque tu as un enfant, tu es à l'âge de 14 ans, tu grandis et tu t'attends en fait à tes parents qui te protègent de la société, parce que c'est à cet âge-là, la société elle est vraiment violente. Lorsque mes parents m'ont dit de partir, c'est comme si ils n'avaient pas... Comment dire, en fait, ils ne pouvaient pas me protéger, ils ne pouvaient pas être là pour moi et ils étaient incapables de le faire. Du coup, je devrais partir. Les gesprekken met mijn vader waren vooral. Ik moest hem duidelijk maken dat homoseksualiteit niet alleen een fysiek iets is, maar vooral gewoon liefde tussen twee mensen. Mon coming out, je l'ai d'abord fait à ma mère. Et ça a été évidemment un grand moment d'émotion pour moi aussi, parce que quand on fait ce coming out, on a l'impression qu'on risque de perdre en fait ces liens. Ma mère a pleuré aussi, parce que je pense que j'ai lié mon coming out avec le fait que j'aurai aussi des enfants. Cette famille via plus de verband, mais il y a aussi une famille que tu as kiest, dans une zin van vrienden. Dans la culture africaine, quand y a des gens qui sont très proches ou des voisins, on voit tout le temps, c'est aussi la famille. Des gens à qui on peut faire confiance et envers qui on peut, à qui on peut tout dévoiler sans avoir peur d'être jugé, et sur qui on peut aussi espérer des conseils sincères et un soutien sincère dans la vie. Quoi. Je dirais que c'est ça. Mijn vrienden toch bezien als familie en dat zijn mensen die je echt kiest en met wie je iets deelt door een bepaalde ervaring. Je pense qu'un des aspects essentiels, que ce soit dans un lien amical et puis pour pousser plus loin aussi dans un lien familial, c'est accepter l'autre et ne pas être dans le jugement. Clairement, que ce soit dans voilà, le drag king, c'est un art controversé parce qu'on joue avec les codes de la masculinité sur scène. Et clairement, pour certaines personnes, c'est perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. On a l'habitude de voir l'image de la femme comme ça déformée, la femme objet et tout, c'est quelque chose qui est hyper courant. Mais par contre, toucher à l'homme, jouer avec ces codes-là, c'est beaucoup plus gênant. J'ai grandi dans une famille africaine de l'Ouest et musulmane. J'ai jamais vraiment pensé que j'aurais pu être moi-même dans cette famille. Malheureusement, j'ai dû commencer à prendre soin de moi assez tôt parce que ma maman travaillait beaucoup. Enfin, malheureusement, heureusement peut-être, parce que ça m'a quand même appris à être qui je suis aujourd'hui et à pouvoir vivre de manière autogérée, on va dire. Là, c'est une des premières photos backstage. Justement, on est dans la transformation drag queen. Je pense aussi que je me posais beaucoup de questions dans
une démarche un peu féministe où je me disais j'aime pas trop l'image de la femme que je renvoie. L'hypersexualisation, le maquillage très marqué, tous les codes, des grosses poitrines, etc. Donc il y avait un côté qui me gênait un peu. Et pour moi, ça a été le début d'un parcours artistique et aussi de toute une transformation personnelle à partir de ce moment-là. Il y a peut-être 4 ans, j'ai commencé un peu à me découvrir et à comprendre aussi pourquoi est-ce que j'avais du mal à m'accepter moi-même. Et ce qui m'a amené à ça, je pense, c'est quand même l'univers queer que j'ai découvert durant mon adolescence où justement je voyais des personnes qui se maquillaient avec des paillettes, du rouge à lèvres coloré et ainsi de suite. Et personnellement, ça m'a pris. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse partie, il fallait que je me libère et que je me découvre. Le cabaret Mademoiselle, ça a été un lieu très réputé du drag king. Arriver dans un cadre comme ça, hein, avec une telle bienveillance, où finalement tous les codes sont renversés. On voit c'est le seul endroit où je connais où tous les hommes sont lisses et puis toutes les femmes sont poilues. C'est un peu drôle. Ça fait extrêmement du bien. Alors la première fois, j'ai vu la ballroom. Ça a été une vidéo que Trax Arte avait postée sur YouTube. Une amie à moi me l'avait montrée. En fait, je n'étais pas au courant que cet univers existait. Et une fois avoir vu ce reportage documentaire, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées en moi et je l'ai montré à tout le monde autour de moi. Et je me suis dit, mais enfin, comment ça se fait que je n'avais pas découvert ça avant? Comment ça se fait que toutes ces années, j'étais perdu et que, en fait, j'ai perdu mon temps à essayer de me trouver, à essayer de me comprendre, alors qu'en fait, il y a eu toute une communauté de personnes comme moi qui se sont déjà comprises et qui ont réussi à créer justement la ballroom. En tout cas, ça a été une grande révélation pour moi de savoir que je pouvais être libre à un tel point. Dans la ballroom, ce que j'aime en fait, c'est ce concept de famille. Quand je n'avais pas connu la ballroom, je me sentais seul, perdu. Depuis que j'ai rencontré la ballroom, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu plus ou moins les mêmes histoires que moi, donc qui arrivent à me comprendre plus facilement que d'autres. Elles mettent leur cœur dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font, parce que finalement, elles ont aussi vécu la même chose. Ik ben een biseksuele zwarte vrouw en ik ben altijd die drie overal waar dat ik terechtkom. En ik hoef niet te kiezen en ik moet ook niet kiezen. Ik ben niet enkel Rachel van Rainbow Nation. Ik ben ook wel Rachel de activiste, Rachel de rebel, Rachel de gekke, Rachel soms. Ik ben medeoprichter van Rainbow Nation en deze foto werd opgenomen bij een van onze evenementen. Rainbow Nation is eigenlijk een vereniging die zich openstelt voor LGBT'ers die zwart zijn of van kleur zijn, om hen juist een plaats te geven waarbij dat ze eigenlijk gesprekken kunnen voeren over slachtoffer van racisme te zijn. Het is niet zo, de LGBT-gemeenschap heeft ook wel te kampen met problemen van racisme, met problemen van seksisme, van lesbofobie, van transfobie. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Ik vind de gemeenschap iets heel krachtig, omdat je hebt een gemeenschappelijk doel of je hebt een gemeenschappelijk deel van je identiteit. Dus een gemeenschap is zeker iets krachtig, maar ik heb nog geen gemeenschap gevonden. Ik hoop er één te bouwen waarin dat iedereen wel gewoon zijn uniek zijn mag aanvaarden eigenlijk. Dus een gemeenschap die eerder gebaseerd is op wederzijds respect en communicatie. De meeste mensen gaan ervan uit, ja, we zijn als gemeenschap zijn we wel vrij open. We omarmen iedereen en het is niet zo. En daar moet er echt wel zeker aan gewerkt worden, maar zeker veel gesprekken aan gevoerd worden, maar eerlijke gesprekken. Niemand is stemloos. Ik geloof daar niet in.
Iedereen heeft een stem. Het is aan ons om te luisteren. Het is aan ons om een manier te vinden dat die mensen gehoord worden. Ik denk dat de meeste mensen, ze doen hun mond open om te praten, maar vooral niet in oren. De Mothers and Daughters is op dit moment een collectief van 13 mensen uit de Brusselse en ook Gentse Antwerpse queer scene. Ook mensen met allemaal heel diverse achtergronden en kennis die ze allemaal meenemen in het project. En het is eigenlijk een lesbische en ook een transbar, omdat er helaas in Brussel eigenlijk nog steeds geen plek is voor ons. Ja, ik denk dat te veel mensen naar Mothers and Daughters komen omdat ze zich toch niet heel welkom voelen in de typische andere gaybars in Brussel. En vandaar dat we ook echt dat trans gedeelte heel belangrijk vinden, omdat er toch veel trans mensen zijn die dan in die homobars toch weggepest worden of scheef bekeken worden. En ik denk dat Mothers and Daughters echt een plek is. Maakt niet uit, iedereen is welkom. Ik vind het wel heel interessant dat je gewoon die plek zo inricht dat eigenlijk die mensen die nooit een plek hebben, opeens wel een plek krijgen. Dat is echt redelijk fantastisch. Ça fait vraiment du bien, parce que ça soit à un niveau personnel, d'arriver dans un lieu où on se dit, voilà, un vrai espace safe, où je peux arriver vraiment tel quel, avec mon histoire, avec mon identité, avec mon expression de genre, sans être jugée, au contraire. Ça, c'est un peu la petite bulle hein, où on peut respirer. Quand on subit de la part de sa famille ou de certaines personnes de son entourage une certaine pression à se conformer à des normes. En fait, moi, le fait que je suis parti de l'Ouganda, j'étais très jeune et je ne savais pas où aller. Et du coup, le fait que parfois, en fait, les personnes LGBT, les personnes migrantes, se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont pas des familles, en fait, c'est qu'ils fuient pour leur survie. Et moi, en fait, c'est que j'aurais vraiment voulu avoir en fait un safe house, en fait une place là où je peux me reposer. Maintenant, on est dans la procédure d'achat et c'est une maison de plusieurs chambres. Il y aura aussi une grande salle d'accueil à toutes les. Enfin, c'est une maison du quartier et c'est pour les personnes migrantes et pour les personnes LGBT qui se retrouvent dans la rue malheureusement, qui sont vraiment vulnérables et précaires. Et c'est pour tout le monde. Ouais. Of je hetero, homo, transgender bent of eigenlijk heeft iedereen recht op geluk in het leven. J'espère que tous ces mouvements qui existent aujourd'hui vont amener à une prise de conscience toujours plus grande. Het feit dat ik ook zeg van dat ik niet alleen verbonden ben met mijn bloedfamilie, maar ook met een bredere familie, heeft denk ik ook te maken met het feit dat ik zoveel queer vrienden heb. Omdat dat gevoel van familie en tolerantie gewoon vrij diep zit in die communities. De queer scene in Brussel evolueert en het verandert. Soms ligt het stil en soms is het heel lawaaierig. Brussel is gewoon altijd een veilige haven geweest, omdat ik hier het universeel wezen kan zijn dat ik ben. Nou, ik denk in Brussel dat ik wel echt heel erg een community gevonden heb die ik misschien minder had in Amsterdam. En juist door een aantal projecten eigenlijk van scratch op te bouwen met die groep, heeft het ook een soort zin of zo om hier te zijn. En ook iets om voor te vechten en dingen proberen op de kaart te zetten. En het is gewoon echt heel, heel fijn.